voilà comment cela s'est passé pour le FC Sion sur le terrain. Mais en dehors, à l'extérieur du terrain, les Valaisans ont fêté cet événement comme il se doit. Une fête qui a duré toute la nuit passée va nous faire vivre l'ambiance qui régnait hier soir à Sion au travers d'un supporter peu ordinaire. C'est l'histoire d'une victoire, d'une grande passion aussi. C'est l'histoire d'une fête, d'un délire tourbillonnesque. C'est aussi l'histoire d'une folle bastringue avec en point de mire un jeune homme venu du Nord chez les gens du vieux pays. Il a 20 ans, il est étudiant, il habite Emmendingen en Allemagne et toutes les deux semaines, il parcourt 800 km pour voir jouer le FC Sion. Bonjour, je m'appelle Lars Kanzauer et je crois que je suis le seul fan allemand du FC Sion. Ça a commencé en l'année 84. J'ai vu le match en Coupe d'Europe à Atlético Madrid du FC Sion. Ils ont gagné 3-2. J'ai voulu savoir quelque chose de plus sur cette équipe. À la télévision, voilà. À la télévision, ouais. Et puis j'ai pas réussi. Et en 87, j'ai écrit à la télévision suisse romande, à l'émission Petites Annonces, que je cherche des correspondants qui sont fans du FC Sion. Et là, j'ai reçu quelques lettres aussi d'un fans club du FC Sion, Veuve Montreux, qui m'a fait membre d'honneur. Et ils m'ont invité, ils ont organisé un week-end dans un chalet, le barrage du Grand Lixens. Là, j'ai fait la connaissance des joueurs. J'ai commencé une correspondance avec Blaise Pifaretti. Comme ça, j'ai fait la connaissance des joueurs. Et j'aime bien l'ambiance et tout ça ici à Tourbillon. Et vous avez fait combien de kilomètres cette année pour venir voir jouer le FC Sion? Cette année, j'ai fait à peu près 11 500 kilomètres cette saison. Et vous êtes venu combien de fois? Moi, je viens voir presque tous les matchs, une trentaine. Elle, c'est aussi sa chambre d'hôtel. Démonstration. Cette coccinelle, j'ai reçue comme cadeau de mon père, 3 fois pour Noël et 2 fois pour l'anniversaire. Et qu'est-ce que vous avez comme facilité ici au FC Sion? Bon, je peux garer la voiture directement au stade de Tourbillon. J'ai tout dans les vestiaires, je peux prendre une douche là, je peux aller à la toilette là. J'ai tout là, c'est bien. Vous vous sentez chez vous ici en Valais maintenant? Oui, on peut dire ça. Pas beaucoup d'amis ici en ville, on me salue, on me connaît maintenant avec la voiture, avec la tente. Bon, je me sens ici presque comme à la maison. Et qu'est-ce qu'on pense de vous à Emmendingen? Un Allemand qui vient et qui fait des milliers de kilomètres pour venir voir jouer une équipe en Suisse. Tout d'abord, ils ont dit que je dois être fou. Mais je les ai montré des vidéos de la finale de la Coupe, des matchs que j'ai enregistrés. Maintenant, ils connaissent l'ambiance du FC Sion, du Tourbillon. Et ils commencent à me comprendre. Le Lars n'est pas fou. Hier soir, il fallait être à Tourbillon, absolument. Voici ce qu'il a vu pour vous. We'll be right back.
Saint Grial a dit, ballon de fête, allez mourir de gloire dans le haut ciel bleu des Torlecoups, loin des petits pains d'un sou qui sucrent de regret la lèvre. Hier soir, la foule de Tourbillon a vécu son rêve éveillé.